c'est Maddy. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec beaucoup, beaucoup de vidéos sur le scandale de la cérémonie des JO, hein. J'en avais parlé pendant le live de la semaine dernière. Merci d'être passé par là. Vous étiez très nombreux. Pardon pour les problèmes techniques. Je vais essayer de résoudre les petits problèmes à ce sujet. Enfin bref. Bon, alors il y a eu des commentaires disant qu'il ne s'agissait pas du tout du tableau de Léonard de Vinci, mais d'un autre tableau. Ce sont des bobards, puisqu'on a les preuves qu'au départ, eh bien, ils avaient eux-mêmes dit qu'il s'agissait de la Seine. Donc la Seine, Seine, pardon. La Seine, c'est-à-dire en fait le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Et devant les critiques et le tollé général, ils ont essayé de mentir. Mais non, on sait ce qu'il en est. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. En plus, j'ai compté au moment où la photo a été prise, il y avait bien Jésus et ses 12 apôtres. Bon, voilà quoi. Donc c'était bien une intention délibérée de montrer en fait que. Ben, que, en fait, ils voulaient apporter leur nouvelle religion. Alors, il y a autre chose. Peut-être que les collègues qui ont fait beaucoup de vidéos à ce sujet, que je salue ici, vidéos toutes excellentes, donc je ne vais pas reprendre ce qu'ils ont dit, hein, ils ont tout à fait raison. Il y a quelque chose quand même que personne n'a évoqué, je crois. C'est la petite fille qui prenait la place d'un des apôtres dans la fameuse scène. Je crois que c'était une petite fille et pas un petit garçon. Enfin bon, peut-être que je me trompe, mais enfin, à vue de nez, c'est une petite fille. Pourquoi une petite fille? Ben moi, j'ai pensé à Jésus qui disait laissez venir à moi les petits enfants. Hein? Or, on sait très bien que les petits enfants, pour ces PEDO Satanas, on va dire ça comme ça, eh bien, on sait très bien le sort qu'il leur est réservé. Donc là encore, avec toutes ces histoires de trans et de pédalo, on va dire pédalo. Eh bien, c'est une façon de dire, laissez venir à moi, effectivement, vos petits-enfants, vos enfants, pour qu'on en abuse et on en use. Hein, voilà. Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça. Bon, on peut aller demander, hein, mais il y a aussi les enfants qui passaient sur la Seine dans la barque de Caron, là, vous savez. Le passeur auquel il faut donner normalement une pièce et qui vous emmène de l'autre côté. Alors, c'est pas vers les enfers, mais c'est vers le domaine des morts. Hein. Et là, normalement, il y a le jugement qui est attendu, si je me souviens bien. Donc là aussi, on comprend que le sort réservé aux enfants. Donc, je veux dire, tiens d'ailleurs, vous voyez, la destruction, hein, voilà. Donc, vous voyez quand même qu'il faut arrêter de nous prendre pour des oncles. Et qu'avec le cavalier de l'Apocalypse et puis encore d'autres symboles, bon. C'est quand même très parlant. Les enfants sont en danger. Ils veulent légaliser la pédalomanie, on va dire ça, la pédalophilie, si vous voulez, hein. Plutôt ça, comme pour rester, on va dire, discrète. On sait ce qu'il en est. Bon. Je sais pas si vous avez vu l'autre crétin, là, qui a été hué quand il a fait son. Bah, tiens, regardez, voyez. Voilà, il suffit de parler de lui, et voilà, il arrive, hein. Qui a été hué. Quand il a commencé à présenter la cérémonie des JO, la cérémonie d'ouverture, je ne sais pas si vous avez vu sa tête. Je vais essayer de vous faire un screenshot, donc une capture d'écran pour parler français, parce que ça, c'est sur X. On voit son visage, mais il nous prépare un truc. Il va se venger, hein. Ah ouais, il va se venger. Vous verrez son expression. L'expression et vous allez voir toutes les azures. Là, vous mettez toutes les azures possibles auxquelles il a pu penser. Vous allez voir, sale bande de tarés, à quelle sauce vous allez être mangé. Moi, j'ai déchiffré ça sur l'expression de son visage. Je vais vous mettre les captures d'écran. Vous me direz si vous êtes d'accord. Bon. Ben écoutez, on va regarder un petit peu aussi au niveau des symboles pour les enfants, si j'ai raison. Et puis après, je vais refaire un tirage. C'est plus facile quand même quand c'est pas en live. Pour voir un petit peu si lui, justement, à quelle sauce il va être mangé. Et puis, je me dépêche parce que j'ai des travaux aujourd'hui. Ouais, un problème de canalisation qui, voilà, qui est complètement rouillé, donc il faut changer. Donc, je me dépêche. Ok, bah tiens, voyez, regardez, je parle de. Faut que je fasse attention à ce que je dise parce que le jeu, il me suit quand même. Ouais, mais c'est ça en plus. On est obligé de percer un trou dans le mur, etc. Bon, enfin bref. Alors, au niveau des enfants, donc on va demander justement s'il y avait des symboles cachés. Si j'ai bien déchiffré la barque
avec les enfants là qui disparaissent, et également la petite fille avec les faux apôtres. C'est vraiment, mais moi je vais vous dire, alors je vous ai pas dit ma colère, mais écoutez, on va se battre. Et puis, je vous donnerai quelques petites choses à faire pour faire en sorte qu'ils aillent dans les flammes de l'enfer. Hein. D'ailleurs, j'avais la carte de la flamme qui s'était retournée, je ne sais plus où, dans le jeu, où ce qu'elle est. Au moment où j'étais en train de penser à ça. Mais ils n'ont pas conscience qu'ils mettent leur âme en danger. L'enfer, ça existe. Hein. Je suis tombée sur une vidéo, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo-là, où c'est un athée qui faisait du militantisme, justement, contre Dieu, donc pour l'athéisme, qui a été faire un petit tour aux enfers. Hein. Bon, puis après, il a une grâce particulière, il est revenu pour en témoigner. Donc, ces histoires d'enfer, ça existe. Hein. Ah bah oui, l'enfer, c'est le rejet de Dieu. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein. Le rejet de Jésus, évidemment, puisque c'est bon, c'est le Père et le Fils, hein, d'accord. Bon. Donc, ils mettent leur âme en danger. Ces gens-là ne se rendent pas compte. On n'est pas immortels, hein, un jour ou l'autre. Il faudra rendre des comptes. Donc, on va se battre. Hein, on va se battre. Moi, je vais me battre. Et j'avoue que je suis remontée. Ouais. Bon, bah, écoutez, je vais me moquer d'eux aussi. Alors, bon, bah, justement, là, on parle des gens qui vont à l'église, vous voyez. Séparation, d'accord. Alors, ça peut vouloir dire ici qu'il y a des gens, justement, les chrétiens, vous voyez, ça c'est pas l'apostasie, ça c'est l'inverse. Les gens vont à l'église, et bien qu'il va y avoir un boycott, voilà, les gens qui partent, un boycott de CGO par rapport, justement, aux gens qui vont à l'église, donc aux chrétiens. Hein. Bon. Mais moi, je veux savoir, est-ce que j'ai bien interprété les histoires des enfants, là. Bon, qu'avec l'Apocalypse, je vous avais dit pendant le live, hein, c'est la guerre, hein, à mon avis. Hein. Enfin, j'avais sorti ça, moi. Mais là, on va regarder un petit peu au niveau du symbole des enfants. Alors, donc, je suis en train de penser à la petite fille, là. Puis, en plus, il y en avait un, il avait, comment dire, son slip, vous voyez. Ça faisait apparaître une certaine partie de son anatomie, très masculine. C'est vraiment... ces gens-là sont à vomir, quoi. Bon. Non, mais ce sont des dépravés. Hein. Moi, ils font ce qu'ils veulent dans leur intimité, je m'en fiche, mais... Ils ne viennent pas nous le mettre voilà, devant nous. Ce qui est privé doit rester privé. Hein, voilà. Bon. Ok. Oui, bah, le jeu me dit oui. Bon, il y a quelque chose par rapport aux enfants. Ah bah voilà, regardez. Oh, comme ça sort bien. Oui, bon, la colère, on a compris. Le peuple qui est en colère, hein, oui. Alors, au milieu, j'ai quand même sorti la carte du diable. Comme quoi, hein. Les médicaments, moi je me demande si ce n'est pas justement les trucs de changeurs de puberté, là. Hein. On va regarder. Les gens qui sont en colère, ça, c'est la réaction. Hein. Alors, c'est pas que par rapport aux enfants, c'est par rapport à tout le reste, au symbole Satanas, il y en avait quand même de nombreux. Hein. On va pas revenir dessus. Bien, alors, on va me dire, on va regarder sur quoi sur oui, les médicaments, le Lucifer, là. Puis, en plus, c'était laid, ces gens-là. Ils étaient laids, quoi. Je veux dire, c'était que de la laideur. Mais vous savez que comme tout est inversé, la beauté devient la laideur. Hein, voilà. Donc, au lieu de prôner les vertus chrétiennes, ça devient la dépravation, la luxure, bon, tout ce qui est sale, tout ce qui est dégoûtant, tout ce qui est immoral, hein. C'est normal, puisque c'est l'inversion des valeurs. Carte que j'ai sortie de nombreuses fois dans mes tirages. Alors, le hasard, bon, ok, ouais, alors ces deux-là, par contre, ensemble, c'est pas bon, hein. Oh là là, ben ça c'est le boycott, hein. Ça les gens en colère qui partent, pour moi c'est le boycott. Hein. Bon, ok. Là les gens, le peuple qui se lève aussi, hein. C'est aussi la révolution. Le peuple qui se lève, le peuple ne pourra compter que sur lui. C'est intéressant ces cartes-là à la fin. Ouais, donc on va regarder parce que ça veut dire qu'il y a des événements ici qui sont annoncés plus ou moins de façon évidemment subliminale ou cachée. Dans la cérémonie du jeu d'ouverture, pensez par exemple au cavalier de l'Apocalypse. Moi, je pense que c'est la guerre qu'il nous prépare. Et vous voyez, ici, ça pourrait être en relation avec, encore une fois, ce qui a été plus ou moins dévoilé dans cette cérémonie. Les gens ne pourront compter que sur eux. Oui, parce que s'il y a guerre, ce qui provoquerait le départ de beaucoup de personnes et la colère,
eh bien, on va avoir des problèmes à tous les niveaux, hein. Et ça fait longtemps que je vous le dis, puisque je vous ai dit, attention, en 2025. Et si vous me suivez depuis 2-3 ans, vous le savez, puisque j'étais vraiment, vraiment une des premières, voilà, hein, faut le dire quand même, à vous dire que l'année 2025 sera très mauvaise, voilà. C'est tout. Et 2026, évidemment. Bon, alors là, il y a des choses, vous voyez, on s'attaque à l'identité humaine, hein. Ça, c'est nos gènes, hein. Voilà, notre double hélice qui fait que nous sommes des humains. Tout est dans la double hélice. Et évidemment, eh bien, on a le diable qui s'attaque à l'être humain, puisqu'on est la création de Dieu. Alors, ici, là, bah, on va regarder ce que c'est. Ah oui, non, je sais ce que c'est. Attendez, mais. Enfin, je crois. Hein. Oui, mais attendez, c'est autre chose, ça. Alors, ce n'est pas les enfants. Bon, alors, attendez, je repose la question sur les enfants. Non, 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 c'est le fameux passe. Et oui, c'est le passe. Alors, j'ai eu quelques mails. Merci beaucoup aux personnes qui m'ont informé. Je n'avais pas vu l'info, hein. Mais c'était sorti dans ma vidéo où j'avais dit le plan d'Ursula. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais dit, attention, elle va tout de suite embrayer sur les choses médicales. C'est le passe San qui nous prépare. Alors, on va être, nous, en Allemagne, on va être de plein fouet impactés, puisqu'apparemment, ils vont commencer avec nous. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Bon, bah. Je veux dire, je sais pas si je pourrais échapper à leur truc numérique, parce que s'ils bloquent les comptes, ça va être un peu coton. Par contre, hors de question qu'ils me donnent leur soupe, hein, ils pourront aller se faire en papaouter, moi vivante, non, c'est évident. Mais là, vous voyez, ça, c'est ce qui était en préparation, voilà. Tous les trucs papier, les lois, voilà, tout ce qui va être collecté aussi, collectage, pardon, collecte d'informations. Je vais me faire allumer encore dans les commentaires si j'ai collectage. Collecte d'informations par rapport à tout ce qui va être médical. Et là, vous voyez, eh bien, il va falloir monter au créneau. Parce que vous irez peut-être droit un peu plus tard. Mais au vu des événements, il est possible qu'ils accélèrent. Moi, je verrai ça sur 2025 quand même. Hein. Je vous le dis, hein, 2025 et après 2026. Voilà. Donc là, il va falloir se battre et que chacun fasse sa part. Bon. Alors, les enfants, c'est pas ça. On va regarder ici. Le hasard. Alors, c'est quoi sur le hasard avec le oui? La séduction. Alors, séduction par rapport à quoi? La séduction pour se faire plumer. Bon, bah, séduire les gens pour mieux les plumer derrière. Alors, la séduction, est-ce que c'est justement pour les emmener vers cette idéologie trans? Je sais pas exactement. Bon, là, il y a des femmes. Alors, bon, je sais pas pourquoi je sors des femmes. Il y a des accords, ouais. Pour l'instant, je ne vois toujours pas. Il y a des choses qui sont en train de préparer, là. Oh là, attendez. Alors, j'ai deux femmes. Ah là, le jeu est en train de me dire qu'il y a autre chose. Excusez-moi, hein. Je change un peu. Pour les enfants, je vais reposer la question. Il y a autre chose. Là, il y a un espèce d'accord qui va être conclu. Alors, il y a une femme importante, il y en a une autre. Bon, là, il y en a une, ça peut être Ursula. La deuxième, je ne sais pas. Là, on va nous présenter ça comme une bonne idée pour le climat, peut-être. Ouais, bah, c'est leur passe machin truc chouette, hein, carbone, là. Attention, hein, ils vont accélérer, là. Ouais. On va nous présenter ça comme une solution. Bon, bah, ils vont arriver à leur fin, parce que j'ai le vœu exaucé. Voilà, c'est mondial. Bon, donc tout le monde aura droit. OK? Donc de l'enfumage, mais c'est aussi la pollution. Hein, pour contrer la pollution et pour sauver la planète, vous connaissez le discours. Eh bien, puis en plus, il y a les plantes, vous voyez. Ici, ça peut. Alors, je n'avais pas pensé, parce que ça, pour moi, c'est une bonne idée. Sauf que je n'avais pas fait gaffe qu'il peut aussi y avoir une interprétation par rapport à l'électricité ou à l'énergie en relation avec la nature. Ah bah oui. C'est ça, en fait, quand on fait des cartes. Parfois, elles peuvent se dévoiler plus tard et donner des autres interprétations tout aussi intéressantes. Donc, moi, j'y verrais bien avec la carte de la pollution. La lutte pour le climat, avec évidemment des accords qui vont être signés. Ah ouais, non, mais ils vont nous faire la totale, là. Bon. Alors, pour nous plumer. Ouais. Bon, ben oui, ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Hein. Ouais. Un rêve réalisé. Alors, le cœur. Le lit. La vérité. C'est intéressant parce que ça veut dire aussi que les personnes bien intentionnées essaient de faire en sorte de faire sortir la vérité qui est encore un petit peu cachée. Alors, la vérité sur quoi? La vérité. Oui, alors j'ai des problèmes d'argent là qui arrivent.
Bon, alors la vérité, pour l'instant, je ne sais pas sur quoi. Et là, on a d'autres problèmes par rapport aux impôts qui arrivent, vu ça. Bon, alors je ne sais pas sur quoi. Je pense que c'est sur le coco, mais... Ah oui, sur les écuries d'OGS. Oui, bah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Des choses qui semblent très, très mauvais, vous voyez. Ah, on a les RKI chez nous, c'est Rohrkorps Institute, c'est-à-dire en fait les dossiers de l'Institut de Robert Koch. Et ils ont effectivement révélé que tout ça avait été planifié, la crise Coco. Mais ça n'arrive pas à sortir dans les médias, hein. C'est très difficile. Voilà, ils noient le poisson. Voyez. Bon, on a des informations intéressantes. Ok. Bon, alors pour les enfants, je ne vais pas sortir. Mais moi, je suis persuadée que c'est ça, de ceci, mais bon. Attendez, je vais reposer la question, peut-être avec l'oracle de Kate. Alors, il est là. Oui. Attendez, je vais pousser mon jeu. N'oubliez pas que à partir de septembre, dès la rentrée des classes, eh bien, il y a le fameux programme de l'Olympique des malfaisants de la santé pour les enfants. Mais moi, si les parents ne protègent pas leurs gosses, ils vont avoir des gosses complètement, comment dirais-je? Comment je vais vous dire ça? Sexualisés, vous voyez? Ça veut dire que ça va être des gosses complètement obsédés par ça. Bah ouais. C'est ça en fait, hein. Comment dire? Quand on habitue les enfants à se tripatouiller, enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails, excusez-moi, mais enfin, vous avez tout le détail de leur éducation et vous verrez de quoi il s'agit. Ça traîne partout sur Internet. Et c'est ça, en fait. On va en fait éduquer les enfants à se tripoter et enfin, voilà, à faire des expériences ensemble à partir de 4 ans, quand même. Hein, je ne sais pas, mais enfin, bon, il faut peut-être quand même réagir un petit peu au niveau des parents. Et bien, après, ça crée des gosses qui sont pervertis dès le départ. Et ça, vous pouvez plus le revenir en arrière. Hein. Donc ça va créer des gros problèmes dans les écoles, avec des agressions et tout. Hein. Je vous assure. Hein. Bah ouais. Moi, les parents, il faut qu'ils se bougent. Hein. Alors, justement, parlant des enfants. Ah bah tiens, regardez ce qui est. Vous voyez ce qui. Ah, excusez-moi. Vous voyez ce qui sort, hein, les petits, les tout petits. Ben, c'est ça. J'aime bien le jeu de Kate aussi, il me répond bien. Ah ouais, je suis remontée aujourd'hui. Après, je vous dirai comment combattre ces satanas. Alors, par rapport justement au symbole des enfants. Alors, blessure. Attends, excusez-moi. Voilà. Et des gens qui sont dans l'ombre. Alors, c'est bizarre parce que justement, ça fait penser aux gens qui vont dans les égouts, ça. On voit, il y a quand même quelque chose de très sale avec un masque à gaz, là. Et effectivement... Ça peut montrer ce qui se passe dans les tunnels, dans les égouts, hein, enfin bref, par rapport aux enfants, bah, on va voir. Est-ce que la petite fille sur la scène, alors la scène Cene, hein, pervertie évidemment, parce que c'était pas la vraie scène, ça on s'en doute bien, est-ce que c'était justement pour rappeler qu'ils veulent attirer les petits-enfants dans leur sadisme, quoi? Bon. Ah, il va pas me répondre à ce sujet. C'est peut-être un sujet trop brûlant. J'ai les églises là. Bon, l'Amérique, oui. Bon, on va peut-être la mettre de côté. On sait que ça vient. J'ai quand même des histoires d'argent là. On porte de l'argent sur son dos. Copycat, oui. Oui. Prière, oui. Ça. La foudre. Bon, pour l'instant, il m'a pas répondu là. C'est que c'est peut-être un sujet trop glauque. Ou alors c'est pas ça, peut-être que je me suis plantée. J'ai quand même la petite. J'ai quand même le petit bébé qui est sorti. Il y a une prise de conscience là quand même, vous voyez, par rapport aux chrétiens. C'est l'église. Hein. Là, j'ai quand même de l'argent. L'argent. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Quelqu'un qui porte un sac sur son dos. Ouais, bah les catacombes quand même. Hein. Bon, j'ai peut-être pas tout à fait tort quand même. Hein. Ouais. L'escalier. Ah, on a des escaliers. Brisé. Ouais. Bon, il y a des choses maléfiques. Hein. Détruire, briser, des choses maléfiques. Les cornes dans les catacombes. Les gens qui portent de l'argent, moi j'y vois aussi. C'est pas que le poids de la dette, hein, c'est aussi les trafics, pourquoi pas? Parce que là, il y a quand même de l'argent hein, dedans. Donc c'est les trafics de gosses qui ramènent énormément des milliards, en fait. Hein. Ça rapporte plus que la drogue, il me semble. Hein.
Les réseaux. Oui, les réseaux sociaux, les réseaux. L'enfer. Oui, bon, bah, c'est tout ça. L'enfer, les catacombes. Des choses qui sont signées. Ça, on peut y voir les êtres innocents. Voilà. Bon, bah, je finis par la sortir. Je dis que c'était un sujet sensible, donc c'est toujours compliqué de sortir des cartes. Hein. Les petits enfants. Ok. Bon, là, on a vraiment un avertissement. Hein. Ça, c'est très intéressant. Il va y avoir la foudre qui va s'abattre. Alors, sur qui? Ben, encore une fois, normalement, les chrétiens, les gens qui ont remis leur vie dans Christ, donc les chrétiens, ne seront pas atteints par les tribulations, puisqu'elles arrivent, comme vous le savez, enfin, je pense, et ne seront pas atteints par la colère de Dieu. Ben non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit payer pour les autres? Non. On va demander, est-ce qu'il y aura justice? Donc là, je repose la question. Alors, justice. Bon, pour l'instant, réussite de quoi on ne sait pas. Réussite de la pureté. Ah, d'accord. Donc, l'amour vaincra, comme dit le frère Adrien Paul. L'amour vaincra, la pureté vaincra. Oui. Ça, c'est évident. Vous savez que toutes les sociétés qui ont été dans la décadence, donc la dépravation, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Vous savez que... attendez, il ne faut pas que je vous dise des bêtises, mais d'après les cours de physique, normalement, il n'y a pas de limite quand on augmente la température. Par contre, au bout d'un moment, quand on descend au niveau donc, de la baisse de la température, je crois qu'il y a un degré maximal. C'est très intéressant, je trouve. Alors, si c'est faux, je couperai ça au montage. Mais ça veut dire qu'en fait, on peut toujours aller plus haut, mais qu'à un moment donné, ben, quand on touche le fond, on ne peut pas descendre plus bas. C'est intéressant quand même. Hein? Ça veut dire que le bien n'a pas de limite, hein, si on fait cette métaphore-là, alors que le mal, à un moment donné, ben, il ne va pas plus loin, quoi. Donc il est limité, donc il s'autodétruit. Bon, j'ai fini pour mon quart d'heure philosophique. Alors, ouais, on va demander un petit peu. Alors évidemment, là, il faut que je me connecte un peu à Dieu, ce qui n'est pas facile, facile, mais... Y aura-t-il une réponse du ciel, voilà, par rapport au sacrilège, au blasphème, à la médi enfin, pas la, la méchanceté, c'est pas la médisance, c'est la méchanceté envers le Christ qui n'est qu'amour. Hein, n'oubliez pas quand même qu'il a donné sa vie pour nous sauver. On lui a craché la figure, on l'a humilié, méprisé, on l'a fouetté. Enfin, je ne vous raconte pas tout le supplice, et il n'a jamais rien dit. Vous rendez compte? Chaque fois je la sors. Moi, je pouvais vous dire ce que vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, à chaque fois que je pense à l'autre, là, à la réponse du ciel, à chaque fois, je sors un problème de santé. Hein. Bah ouais, ça va brûler. Hein. Il va y avoir quelque chose. Hein. Bon, alors. On va demander si c'est bien lui qui est concerné, là. Mais il est fou, c'est, il faut vraiment l'arrêter. Ouais, danger par rapport à la santé. Ouais, bon. Alors là, diabolique ce gars, il est diabolique. Je suis sûre qu'il surveille les réseaux là. C'est bien possible que ce soit ça, hein, parce que j'ai la carte de la surveillance, voyez. Bon, ça c'est lui à mon avis, parce qu'il est vraiment diabolique. Faut que je me dépêche, je crois que les ouvriers sont en train de revenir, voyez. Bon, alors, oui. Là, je vous dis que. Je vous ai dit très souvent que ça va commencer par la destruction de la monnaie. Hein, je vous l'avais dit. Hein, qu'ils vont commencer par supprimer le cash pour nous mettre leur numérique. Ouais. Bon, là, c'est vraiment un avertissement. D'accord. Je serais restée par rapport à lui. Ouais. Bon, il est perdu, le gars. Hein. Il se la fait, il se la joue. Je suis chef du monde, mais. Dans son mental, il est perdu. Il est perdu. D'ailleurs, il est perdu pour le ciel. Hein, si, ouais. S'il ne se repent pas, il est perdu. Bon, il va y avoir une annonce quand même. Hein. Donc ça, c'est lui, à mon avis. Hein. Bon, apparemment, le jeu, il n'a pas trop envie d'épiloguer sur lui. Moi, je pense qu'il va avoir un problème de santé. Depuis le temps que je le dis, ben, je sais bien. Mais enfin, vous savez, ils ont des rituels. Hein. Vous le savez pas, mais je vous le dis, ils ont des rituels. Donc ça les protège d'une certaine façon, sauf que c'est toujours Dieu qui a le dernier mot, quoi. Bon, ils vont continuer à suivre leurs étapes du plan. Ah, quand je dis c'est Dieu qui a le dernier mot, ça fait bis bis dans mon téléphone, vous avez remarqué.
Bon, il y a des gens qui vont se réveiller là, donc ça c'est autre chose. Je vais voir si j'ai autre chose sur sa santé. Ouais. Après les vacances, peut-être. Ah ben s'il n'ouvre pas son parachute, il va s'écraser. Oui. Il y a quelque chose après les vacances, hein. Oui, il y a quelque chose après les vacances. Bon, là, j'aurais pas d'autres infos, excusez-moi. C'est peut-être top secret, mais je sens qu'il va quand même avoir un gros problème de santé, là. Le crocodile, c'est très mauvais, hein. Voilà. Bon. Par contre, oui, après les vacances. Alors oui, ça peut être lui, s'il oublie de sortir son parachute. Mais il y a peut-être aussi autre chose dont, enfin plutôt que, pardon, que les lanceurs d'alerte, comment dire? Il y a quelque chose dont les lanceurs d'alerte parlent. Ah, je ne sais pas comment dire. Ouais, il y a un avertissement là. Et les lanceurs d'alerte en ont parlé. Voilà. Oh là là. Ouais, il y a quelque chose. Écoutez, après les vacances, il y a quelque chose. Et c'est possible que ce soit lui d'ailleurs. Parce que vous voyez, on prend un risque. Je me demande s'il ne va pas déclencher un truc là quand même. Alors, est-ce que c'est lui? Ah! Mon Dieu, le QR code, ouais, ça. Le crédit social, il arrive, hein. Je vous l'ai sorti plusieurs fois. Bon. Non, mais pas la peine de parler. Oui, c'est mondial. Pas la peine d'aller pleurer, les amis. De toute façon, le crédit social, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent votre âme. Bon, crédit social, de toute façon, bon, c'est votre âme qu'ils veulent. Donc, tant que vous ne donnez pas votre consentement à l'autre cornu, là, tout va bien. C'est ça, hein. On est dans un combat spirituel, tout le monde vous le dit. Mais il faut comprendre ce que c'est le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le diable. C'est le diable qui veut devenir Dieu. Hein, c'est pour ça qu'en fait, on vous dit toujours, ah ouais, les êtres humains, en fait, sont aussi forts que Dieu. Vous pouvez devenir Dieu si vous le voulez, si vous activez je sais pas quoi, comment dire, vos capacités extra, machin. Non, on ne peut pas devenir Dieu. Il y a des capacités qu'on peut effectivement développer, mais le passage à la 5D et tout, ça c'est luciférien, c'est satanique, hein. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'on a une partie, effectivement, qui nous vient de Dieu, mais on a malheureusement une partie qui nous vient du diable. C'est pour ça qu'on est toujours dans l'ego, la dualité. On n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait. On ne peut pas. C'est quand on quitte cette terre, et j'ai réfléchi à ça, quand on quitte cette terre, eh bien, vous quittez votre enveloppe terrestre, donc votre ADN, hein, votre ADN, il est dans votre sang. Donc, quand vous quittez l'enveloppe terrestre, enfin, eh bien, vous n'avez plus de sang, vous êtes énergie. Donc là, vous n'avez que votre part divine. Alors, sauf pour ceux qui ont péché contre Dieu, eux, bah, ils n'ont plus rien. Donc là, ils peuvent pas monter. Hein, ils peuvent pas monter. D'accord? Donc là, eux, ils vont dans un autre endroit. Mais bon, en parlant des gens qui décèdent, qui passent de l'autre côté, encore une fois, vous êtes pure énergie. Et là, vous avez une sensation de paix et de liberté. Et de bonheur. Parce que vous retrouvez votre intégrité, votre pureté originelle. Hein. Bon, du coup, j'étais partie loin avec ça, moi. Oui, j'étais en train de dire, ils veulent votre âme. C'est votre âme. Donc, votre âme, bien, elle n'appartient qu'à Dieu. Donc, vous la gardez pour Dieu. D'accord? Donc, on n'en est pas là encore avec la marque de la bête. Ça viendra. Mais pour l'instant, bon. On va faire profil bas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Oasis, ouais. Ah oui, ah, ils vont nous supprimer les communications aussi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, alors il va falloir faire gaffe aux communications parce que là, ils vont vouloir nous les geler. Hein. Ouais. Ou est-ce que c'est autre chose? Ah, l'automne. Hein. Oh là là, l'automne. Bon, bah, l'automne, il va s'en passer des choses. Ouais, je vous ai dit octobre. Hein. Je vous ai dit août, septembre, octobre, mais surtout octobre. Bon, donc, ce que je voulais vous dire. Donc, lui, il va se faire. Voilà. Il va se faire remettre, certainement rappeler à l'ordre. Et je sors toujours la santé. Après les vacances, il y a quand même un truc qui va arriver. Attention, il y a des choses qui vont explosives là. Je pense que c'est la guerre. Hein. Et, mais en même temps, on a le QR code qui est préparé au niveau mondial. La perte de l'argent, ça vous avez compris, s'il y a le QR code, de toute façon, c'est que c'est le numérique qui arrive. Par contre, il y a quelque chose au niveau de la communication là. Ah oui, d'accord. Bon. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui va être télécommandé, hein, qui est manipulé, télécommandé. Ça, c'est une personne. Hein.
pour faire la guerre. Je vous ai dit que... Bon, il faudrait que je refasse la carte. Ma fille m'a dit, ouais, maman, la carte, elle est trop sombre, faut que tu la refasses. Ben, oui, mais bon, ma fille, c'est toi qui l'as faite, la carte. Hein. Donc, elle va sans doute la modifier. Enfin, bref. Peu importe. De toute façon, c'est la carte de la guerre. Et lui, là, il est manipulé pour nous déclencher un conflit. C'est pour ça que vous avez la bombe. Bon, je vous avais parlé de 2025. Bon, alors, le conflit, je le voyais un peu plus tard, mais ça va dégénérer sec sur l'automne. Oui. Alors, lui, là. Alors, tu sais, c'est marrant parce que je sors le cercueil quand même sur lui. Hein. Ah, bah tiens. Regardez comme ça sort bien. Chantage LG machin. Ça, c'est intéressant. Alors, chantage de la part de qui? Oui, bon, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Hein. C'est assez. Attendez, bon, là, c'est autre chose, hein, d'accord. Je vais enlever ces cartes-là parce que là, me parle moins, à moins qu'on puisse me donner encore un autre élément. Ah, les trucs de bébé encore, pour ça. Ouais. Non, c'est pas ça. Attendez. Non, ça en fait partie. Ça, c'est vu de haut. Changement. Coup de balai. Il y a quelque chose qui va lui tomber dessus. Hein. Je l'avais dit que ça fait longtemps que je l'avais dit ça. Qu'il y aurait certainement un chantage par rapport à ce diabolo. Hein. Vous savez qu'ici, c'est notre cher chef. Et il va finir au trou. Hein. Il y a quelque chose par rapport aux enfants qu'il a fait. Hein. Ça va être le coup de balai. Il y a un truc qui va lui tomber dessus. Vous voyez la carte du chantage. Et ça, c'est lui. Le hasard que je ressors encore avec mon chiffre fétiche. Vous n'avez pas vu? Vous voyez, mon petit chiffre fétiche. Le hasard qui sait bien les choses. Ouais, le cœur sec. Et une annonce. Une annonce par rapport à son cœur sec ou à cause de son cœur sec. Ben oui. Non, mais il va être dégagé, vous allez voir. Il va être dégagé, ce gars-là. Par contre, on va quand même avoir un problème sur l'automne. Il va être dégagé et je pense, c'est ce que je vous avais dit, il va trouver un faux prétexte, partir pour un problème de santé et tout. Mais je pense que c'est plutôt parce qu'il va y avoir un chantage. Il y a des gens qui travaillent hein, pour nous, hein, pour nous aider et pour le dégager par rapport à un chantage et par rapport à des enfants, des choses avec les enfants, puisque j'ai sorti les bébés, et également par rapport à ces pédalos. Parce que dans la catégorie arc-en-ciel, évidemment, il y a des pervers. Hein. Je n'ai pas dit qu'ils l'étaient tous, hein. Attention. Hein. Mais il y a une catégorie dedans qui veut légaliser la pédalophilie. D'accord? Et qui font des trucs avec les gosses. Hein. Ouais. Bon, voilà. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Bon, ces cartes-là, je ne les ai pas interprétées du coup. Ah, attendez, c'est quoi ça? Le peuple qui se soulève. Mais ouais, il va y avoir effectivement des gens qui vont commencer à monter au créneau là. Quand ils vont voir le numérique, le crédit social, la guerre, tout ça, il y a vraiment des gens qui vont se soulever, oui. Qui veulent le retour au calme et qui veulent reconstruire des relations entre les gens. Mais on leur dit attention, prudence. Prudence parce qu'il y a vraiment quand même un problème d'argent. Ils vont nous faire du chantage par rapport à l'argent. C'est ça qui va nous tenir. Alors. Pour se battre. En fait, je vous l'ai déjà dit, hein, quand je vous ai dit, il faut faire le chapelet. Je vous assure que c'est notre arme. C'est une arme, le chapelet. C'est une arme. On n'a pas besoin d'avoir des couteaux, des machins, des pistolets, ce que vous voulez. C'est notre arme. Parce que on se relie directement au chef là-haut, à Jésus et Marie, évidemment, qui sont directement en relation avec Dieu. Hein. Donc, quand on est relié directement... D'abord, je vous avais expliqué dans la vidéo que ça vous protège parce que vous vibrez haut. Et ça, c'est vrai, par contre, hein, au niveau des vibrations. Vous augmentez votre énergie, vous augmentez votre connexion. Vous dites coucou Jésus, coucou Marie, je suis là. Moi, j'appartiens voilà, au camp du bien, au camp de ceux qui défendent le Christ, qui défendent Marie, qui défendent tout ce qui est beau, tout ce qui est divin. Donc, s'il te plaît, prends-moi sous ton aile.
Hein, donc vous avez de toute façon une protection. Et en plus, vous pouvez dire dans vos intentions de prière, j'aimerais bien que justice soit faite et qu'on puisse vraiment retrouver les belles valeurs, les valeurs de moralité et surtout pour protéger les enfants. Croyez-moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je fais les intentions de prière. Si on est tous à nous y mettre, hein, et là c'est vraiment, il va falloir se secouer un petit peu, le faire. Alors je parle à ceux qui ne s'y sont pas encore mis. Si on s'y met tous, je vous assure qu'on gagne, on gagnera. Alors je vois malheureusement quand même des tribulations arriver, ça voudrait dire qu'on ne sera pas assez. Mais si au moins vous qui faites partie de ma communauté, vous le faites, eh bien au moins vous serez protégés pendant les tribulations, ce qui est aussi quelque chose de très important. Puis de toute façon, les choses finiront bien, il faut tenir. Voilà. Et surtout, refuser la marque de la bête. Je vous dis à très vite et à bientôt. Donc, oui, à très vite. Au revoir.